Mathieu Delormeau, le chroniqueur de TPMP victime d'un accident de scooter. Sur son compte Instagram, le chroniqueur de TPMP, Mathieu Delormeau a expliqué à ses fans avoir eu un grave accident de scooter. Il a visiblement échappé belle. En effet, Mathieu Delormeau a eu un accident de scooter ce mercredi 11 avril. Il a tenu à rassurer ses fans sur son compte Instagram en publiant une photo de lui à l'hôpital. Dans son message, il a tenu à mettre en garde les conducteurs des deux roues face aux dangers de la route. Le présentateur de TPMP, Cyril Hanouna, a aussi rendu visite au chroniqueur afin de lui apporter son soutien. Mathieu Delormeau victime d'un accident de scooter. Il y a quelques minutes, Mathieu Delormeau a publié une photo sur son compte Instagram où on peut le voir vêtu d'une blouse d'hôpital. Dans un message, il explique avoir eu un accident de scooter hier soir. Pris en charge rapidement par les urgences, le chroniqueur de TPMP a tout de même passé la nuit à l'hôpital. Sur le cliché, il apparaît assez fatigué. En légende, il a écrit « Les amis. Je veux rassurer tout le monde. Gros accident de scooter hier, et soirée à l'hôpital m'a su un miraculé, suture brûlure et chymose mais ça va. Merci aux personnes qui m'ont aidé dans la rue, aux pompiers et personnel d'endroit sparé. Et à Cyril qui est passé me faire un bisou dans le camion pompier. Si vous faites du scooter, prenez 1000 précautions mais mon conseil, n'en faites pas. La vie peut basculer si vite. Je vous embrasse fort. » Les internautes soutiennent le chroniqueur de TPMP. Les fans de Mathieu Delormeau lui ont aussi apporté leur soutien. Ils ont écrit « Bon courage Mathieu et rétablissez-vous vite, mille vœux. Bon rétablissement à toi Mathieu. Tu n'as quand même pas voulu nous faire une cascade pour le prochain taxi j'espère, trêve de plaisanterie. À très vite. Mon courage Mathieu petite mine, reposez-vous bien prompt rétablissement, et lui la vie bascule en un fragment de seconde donc plus dans sens que je vous embrasse. » Chit courage et oui je travaille en réanimation, et je sais ce succès la vie ne tient vraiment qu'à un fil. Bon rétablissement Mathieu.